Zandalari ne me portent guère dans leur cœur. Rendez-vous utile. Votre zèle contre l'Alliance ne semble pas seulement motivée par le respect que vous portez à votre reine, flétrisseur. J'ai combattu pour l'Alliance autrefois, mais son insoutenable arrogance n'a fait que décupler depuis qu'elle nous a tourné le dos. Tourné le dos? Comment ça? Une fois l'emprise du roi Lich brisée, Sylvanas s'est mise en quête d'alliés. Au lieu de tendre la main à leurs proches tombés à Lordaeron, les humains les ont rejetés. Depuis lors, j'œuvre à leur déchéance. Ah, c'est donc la vengeance qui vous anime. Je comprends. Vengeance, mépris. Appelez cela comme vous voulez. Une fois le dernier de ses sujets tué et devenu réprouvé, le petit roi s'inclinera devant la Dame Noire. Et alors, restera une reine pour les gouverner tous. Salutations, porte-parole de la Horde. Hors de ma vue. Informez votre chef de guerre sans tarder. Nous contemplez le fruit de vos efforts, Derek Port-Vaillant. Le cadavre que vous avez repêché au fond de la mer. Derek sera une arme stratégique dans notre guerre contre Kul Tiras. Une dague à plonger droit dans le cœur de la maison Port-Vaillant, au moment propice. Et grâce à vos exploits, la Horde dispose de la puissance de la flotte Zandalari. Il ne nous reste plus qu'à finir de briser nos ennemis, et nous aurons remporté cette guerre. Que la volonté du chef de guerre soit faite. Parlez, Moussaillon. Hors de ma... J'entends l'appel de la nature. Il en va ainsi. J'entends l'appel de la nature. Que la chasse commence. J'aiderai la Horde, tout comme elle m'a aidé. Chérissez ce que vous avez. Des menaces! Mais tu te caches derrière ton char. Fais au moins preuve d'honneur. Oh, je le connais bien, ton honneur. Je préfère me battre selon mes termes. Tu ne tiendras pas une minute quand ce char sera chargé à pleine puissance.
Tu préfères donc retarder ton inévitable défaite en regardant tes soldats se faire décimer ? Ma proie est proche. Je suis là. Cet endroit est mon seul foyer. N'oubliez jamais ce qui vous est précieux. La griffe et le croc. Pour la Horde. N'importe quel cultiracien donnerait sa vie allègrement si c'était pour venger la mort de Daelin. Que la chasse commence. Gérite. Les troupes de l'Alliance sont affaiblies et nos guerriers battent en retraite. Retournez à la Sylve du Vent d'Ouest. Vous avez une proie traquée. Vous avez fait du bon travail, Zeling. Au plaisir de vous revoir. Rexha, attendez. Avez-vous des nouvelles de ma famille? Comment va-t-elle? Est-ce vraiment sage de ressasser votre passé? Vous tenez vraiment à savoir? Oui, j'en ai besoin. Votre famille se porte bien. Votre femme a acheté une petite maison à la Ferté d'Arom, en Drostvar, et vos enfants mangent à leur faim. Je m'en réjouis, mais comment est-ce possible? Nous étions ruinés avant ma mort, enfin, avant ma transformation. Vous avez demandé à Lilian Vos qu'on s'occupe d'eux.
Elle y a veillé. Dame Vos, il faudra que je la remercie. Et merci à vous, Rexar, d'avoir répondu à ma question. Je suis soulagé de savoir qu'ils vont bien. Ce n'est rien. Prenez soin de vous, Zeling. Et n'oubliez pas que vous êtes en territoire ennemi désormais. Les Andalari ne me portent guère dans leur cœur.